Bon, déplacer les génisses, auparavant on allait à deux ou trois, parce que les poissons étaient au moins deux ou trois, on mettait les ficelles devant chaque parcelle de maïs, chaque chemin, chaque entrée de champ. Il fallait mettre une clôture provisoire. Et puis on en mettait devant les entrées des voisins qui n'appréciaient pas forcément toujours de retrouver une ficelle quand ils rentrent chez eux et leur voiture. Il fallait aussi penser après à les enlever normalement. Et donc il fallait, si on compte un déplacement de génisse, bon tout à l'heure, aujourd'hui j'ai des génisses à déplacer du bourg, ici, à 2 km. J'y vais en vélo. Bon, 2 km en vélo, le chien, faut attendre le chien quand même, faut pas trop le fatiguer pour l'aller. J'y vais en vélo, je reviens en vélo. Bon, ça me prendra une demi-heure. Auparavant, d'abord, c'est par celle-là, je pense pas que j'aurais mis des génisses. Ou alors il faudrait une bétaillère, bon, avec le coût que ça représente. Donc, si aujourd'hui on se retrouvait absolument sans chien, il y aurait plein, toute l'organisation de la ferme serait à revoir. Bon, déjà le temps qu'on mettrait à rentrer les vaches, ce n'est pas envisageable. C'est pour ça qu'il y a trois chiens sur la ferme, parce que je dis que là où il y a un bon chien, il en faut au moins un deuxième. Dans une ferme où il y a un mauvais chien, il y a un chien de trop, quoi.